Pour les jeunes majeurs de l'aide sociale à l'enfance, le 12 mars fera date. L'aide sociale à l'enfance vient en aide aux quelques 300 000 mineurs et à leurs familles. Elle propose des actions de prévention et de lutte contre les maltraitances. Un enfant sur quatre qui sort de l'ASE se retrouve sans domicile fixe. De nombreuses femmes et de nombreux hommes dans cette salle savent ce que cela signifie d'être placé sans protection, sans explication, dans un foyer étranger, d'être parfois méprisé, d'être abaissé, d'être humilié. Ce sont des hommes et des femmes parmi nous qui ont été jetés à la rue, à leur majorité. Tout cela est arrivé et rien de cela ne doit jamais plus se reproduire. Parce qu'à 18 ans, on est toujours un enfant. À la Bourse du Travail, sous l'impulsion de l'association Repères et du collectif La Rue à 18 ans, associatifs, politiques, mais surtout de jeunes majeurs anciennement placés à l'aide sociale à l'enfance se sont réunis. Leur objectif, soutenir la réforme du contrat jeune majeur. À 18 ans, les jeunes placés doivent, pour bénéficier d'un soutien matériel, éducatif et psychologique, faire une demande auprès du conseil départemental et de l'ASE et expliciter leur projet d'études. Le contrat peut être renouvelé au bout d'un an en théorie, tous les 6 mois dans les faits. En juin 2018, une proposition de loi de la députée Brigitte Bourguignon vise à rendre les contrats jeunes majeurs accessibles sans condition jusque 21 ans aux anciens enfants placés. Problème, depuis la proposition de loi n'a toujours pas été adoptée. À l'heure où on parle ce soir, il y a des enfants aujourd'hui qui ont été jetés à la rue avec leurs bagages. On ne peut plus attendre. Et donc cette loi, elle doit être mise à l'ordre du jour. Et non seulement elle doit être mise à l'ordre du jour, mais elle doit être votée en l'état. Et l'état, c'est-à-dire en l'état, c'est une obligation de proposition des contrats jeunes majeurs. L'association Repères, composée d'anciens enfants placés, organise régulièrement des réunions entre jeunes anciennement sous protection de l'aide sociale à l'enfance. Ces réunions, pour nous, évocateurs, les pieds dans le plat, permettent à ces jeunes de s'exprimer sans a priori, de connaître leurs droits, d'avoir parfois un abri temporaire. Oui, effectivement. Parmi les thèmes évoqués, quand nous sommes allés les rencontrer, les fameux contrats jeunes majeurs. Moi, mon contrat jeune majeur, ils m'ont demandé mon projet et je savais pas. Moi, j'ai dit, je sais pas ce qu'il faut faire. Elle m'a dit, faut mentir. Les éducs, ils nous disent de mentir parce qu'ils ont pas le choix, vu que c'est pas eux qui prennent les décisions au-dessus, parce qu'ils savent que c'est comme ça que ça marche et que t'as pas le choix, en fait. Ouais. Pire, selon ces jeunes, l'aide sociale à l'enfance les pousserait à délaisser leur parcours scolaire. Vu que le contrat jeune majeur est très précaire et difficile d'accès, vu que les éducateurs sont assez dépassés par justement cette situation, ils t'encouragent souvent en fait à t'orienter sur une voie professionnelle, par exemple au lycée. Je connais plein de jeunes qui sont à l'ASE depuis un petit moment et qui ont, par exemple, auraient voulu aller en général. Ils se sont retrouvés en bac pro à faire un truc qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire. Le problème, c'est que c'est connu, en fait, quand tu fais quelque chose qui ne te plaît pas, surtout au niveau de l'école ou dans une filière où tu ne veux pas être, forcément, tes résultats ne vont pas être excellents, tu ne vas pas être impliqué, tu ne vas pas faire ce qui te plaît. L'ASE a fait de l'école un problème. Leur vie, souvent très mouvementée, rythmée par les rendez-vous administratifs, sont mal comprises. Du coup, certains font le choix de ne pas en parler. Le regard des autres est un point en plus. Je sais que j'évite d'en parler, en tout cas. Parce que dès que tu en parles, ça attise soit la pitié, soit un regard bizarre des gens. Les gens ne te regardent plus du tout de la même manière. Ils savent pas ce que c'est. Le 12 mars, Cynthia, Charles et tous les autres ont tiré la sonnette d'alarme, une fois de plus, et imposent un rapport de force politique. Il y a urgence.